Bonjour et bienvenue sur les tests d'Ororo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose mon top 5 des meilleurs disques Blu-ray 4K de l'année 2023. Dans cette sélection, je tiendrai compte uniquement des prestations vidéo et audio. Cette année, il y a eu pas mal de grosses sorties, Avatar la voix de l'eau pour ne citer que lui. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir tout passer en revue, donc sachez d'ores et déjà qu'il va manquer certains titres. Mais vous aurez une petite idée de ce qui se fait de mieux avec cette sélection. Bien sûr, si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner, liker la vidéo, c'est important pour un bon référencement. On est parti donc pour les 5 meilleurs disques 4K Blu-ray de l'année. Mr. Wick démarre les hostilités en se positionnant à la 5ème place. Facile pour lui étant donné la qualité de ses visuels, porté pour le coup par une excellente direction artistique. Les plans sont d'une telle beauté. Et les couleurs, si vous souhaitez pousser le curseur, ce disque est fait pour vous, tant elles sont vives et saturées. Un top image. La piste Atmos n'est pas en reste, rassurez-vous. En quatrième position, c'est le film Transformers Rise of the Beast qui tire les ficelles. Comme ses aînés, il se place comme une référence en la matière. Les Transformers ont toujours été une vitrine audio et vidéo, et cet opus ne déroge pas à la règle. Des visuels qui claquent et une bande sonore qui pète. Et ce même si sur ce dernier point, il est plus timide qu'auparavant. Mention spéciale à la version Steelbook que je trouve très jolie. Avant de découvrir le top 3, place aux films bonus qui ont aussi des arguments à revendre. Et comment ne pas citer Avatar, la voix de l'eau? C'est simple, c'est peut-être pour certains le top image de l'année. C'est extra, la précision des détails, le rendu de la faune, la flore, nommés les environnements aquatiques n'ont jamais été aussi réalistes. Un indispensable dans votre vidéothèque. Autre film qui ne démérite pas, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. J'aurais pas pensé à avoir un Marvel cette année dans le top. Mais il faut avouer que visuellement, il envoie du bois. Pas de chichi car pour une fois, les plans au format IMAX ont été conservés. Belle surprise aussi concernant la partition sonore qui a de l'énergie à revendre et une piste LFE soutenue. Après vous avoir présenté deux titres bonus, on repart sur la suite de ce top avec en troisième position Mission Impossible Dead Reckoning. Alors je devais vous proposer un test et faute de temps, je ne l'ai pas fait dans les délais. En revanche, vous pourrez découvrir à travers cette vidéo les notes audio et vidéo que Tom Cruise et son équipe ont obtenues. Avec ça, comment ne pas retrouver ce film sur le podium ? A l'instar des anciens Missions Impossibles, on reste sur une belle régularité en termes de performance audio-vidéo, à un détail près qu'on a perdu les plans en IMAX. Les visuels sont organiques et très définis, une image très typée cinéma, sans parler de la diversité des environnements et des plans larges qui sont magnifiques. Côté son, ce n'est pas très vertical, mais c'est dense et puissant. En seconde position, on trouve Black Adam. Rappelez-vous, c'était le premier film de l'année que j'avais testé. J'avais titré que ça commence fort. Et oui, pas étonnant qu'il se retrouve à cette place. Difficile de le prendre en défaut, tant les prestations audio et vidéo sont au top sur ce film. Mention spéciale pour l'activité LFE qui fera votre caisson travailler du début jusqu'à la fin avec peu de répit. Dans ce top, c'est le titre à privilégier pour sa générosité en termes de basse. Maintenant, à la première place, Oppenheimer vient tout casser. Et non, ce n'est pas un jeu de mots malsain. Pas de Dolby Vision et pas de Dolby Atmos, c'est vrai, mais il arrive à faire mieux avec le matériel donné. Ce film est pour moi le meilleur de l'audio de la vidéo cette année. La qualité des visuels sont saisissantes. Des plans en IMAX sublimes, des scènes en noir et blanc tout aussi remarquables que celles en couleur, une définition ciselée et des plans qui se détachent. C'est top. Et la piste audio DTS HD Master Audio
est d'une telle puissance qu'elle vous rappellera ce qu'est la dynamique. Tant ici, nos oreilles font les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça marmonne, ça gronde et même parfois tout se coupe et puis ça repart. Un mixage audio dantesque. C'est le top des mots de l'année, rien que ça. Donc People, c'est mon top des 5 meilleurs Blu-ray 4K de l'année. Et maintenant, je suis curieux de connaître les films que vous avez le plus appréciés. Faites-moi parvenir vos avis dans la zone commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous souhaite de passer un beau réveillon de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux contenus.